Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. Un, deux, trois. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe, aïe, aïe. Oh! Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon! Boucle d'Or a vu trois chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, oh, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en mille morceaux. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Oh. Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec trois lits. Waouh, regarde ça. Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je l'ai fait? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh. Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu. Mais le troisième était parfait. Ah, ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les trois ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu. Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Boucle d'Or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. Trois petits ours sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dit un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Arrouh!
Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! J'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer deux petits ours. Ma mise sera faite de brindilles, regarde-la. Dit le deuxième petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Waouh, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh, oh non! Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite. Je vais construire ma maison en briques solides. Dit le troisième ours, et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire, le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Ah, il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Exploser la maison. Pas par les poils de mon menton. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors qu'est-ce qui est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont. Oh, papa! Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe. Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors, ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie. Et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. C'est chance ces haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques. Et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Waouh! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha!
Il dit: l'orgueil du géant, 19 dans 2, cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, fon, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fon, fom, prêt ou pas? J'arrive. Jacques est rapide. Oups, mauvaise histoire. Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez.